L'avenir ne donne rien, ne nous apporte rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres sèves, d'autres vies, que les trésors hérités du passé. Un congrès réunit en ce moment à Strasbourg des spécialistes étudiant la criminologie et la délinquance juvénile. Ces spécialistes viennent de prouver que la délinquance chez les jeunes est en nette progression, est en nette recrudescence. À quoi attribuez-vous ce phénomène ? Eh bien, la lecture des romans de séries noires. La jeunesse étant souvent livrée à elle-même, étant donné que les parents sortent travailler. Et puis les films de gangsters. Il faudrait d'abord éduquer les parents. Je ne dis pas que c'est la faute des parents, c'est la faute du temps moderne. C'est extrêmement difficile à dire pour un homme de mon âge, parce que je crois que nous ne sommes plus dans le coup. Il y a encore quelque chose. La jeunesse, en ce moment, elle ne voit pas l'avenir. Tu veux du flow là?
je vais t'envoyer tout ce que t'aimes. T'as capté mon art à t'enfoncer toute quenelle. Mets du sens, mets bien, ça m'évite toute querelle. T'es un voyou, tiens, gros beat et nos belles voyelles. Ils portent pas de poubelle, pareil qu'à trop de déchets. Désolé pour le terme, trop de mecs en chier. La machine a changé, fallait oser. On n'a pas de congé mais fallait bosser. Causé, traumatisé, trans polarisé. Oh shit, et des gosses déscolarisés. On est trop dans le panier, non je ferai pas fortune. Tu rap bien, ouais, mais t'es entouré de faux culs. Box les mots un peu comme une partie de baseball. On parle au monde comme s'ils allaient rentrer en tôle. On rap encore, c'est cool et terrible encore. Premier couplet, c'est histoire de mettre tout le monde d'accord. Un pur sang hip-hop, technique sur hip-hop. Lyrique sous méthode, face B ou bonne prod. Avec tout ce qu'on ode depuis les pots qu'on donne. Sanglier de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons? Bande t'es mon fiston, c'est tout ce qu'on discorde. Le sang c'est non stop, le monde est au top. Et mon public sort, il pop 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 pop. H, parce que le H fait aussi partie de nous. J'ai oublié la rime, ouais. Faut du cash, y'a même plus de sous, d'accord. Vas-y demander à Mos Rap Kerim. Où on est loin de Paris et des grosses industries. On se démarque très vite avec nos propres styles. Suis, j'ai les mêmes types et la même équipe. Si, gardez la même ligne dans chaque titre. Allitération, affolant, textation millimétrée. Déballez la marie, m'arrive, stop, c'est que le medley. Hip hop, microscope, l'amour y vu de près. On crafter et leur bombe tout en restant discret. Aimer ou détester, on fera ce qu'on aime, c'est tout. On gardera les mêmes roues, on a les bras, les clous. On fait du rap, ça tourne, big up à vous encore. Et si tu sens que ça coule, c'est que nous sommes d'accord. Un pur son hip-hop, technique sur hip-hop. Lyrique sur méthode, face B ou bonne prod. Avec tout ce qu'on note depuis l'époque on donne. Sanglier de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons? Bande t'es mon fiston, c'est tout ce qu'un discon. Le sang c'est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Les gens sont assez hostiles envers vous et la police aussi. Est-ce que ça vous révolte pas? À quoi ça sert? On a toujours tort. Ils sont plus vieux que nous, on est jeunes. Un seul rêve. On a des cheveux longs, on a tout. Allez, c'est nous qui avons tort, on est des voyous. Tout de suite. Ça sert absolument à rien de discuter. Hein.
Enfin, ce que je vois comme pour la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à Strasbourg, vous voyez. Vous êtes en bande là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en bande? On se promène, on chahute, on chahute. Vous faites des bêtises? Non, rarement. Rarement? Très rare. Ça vous arrive? Oui, mais très rarement. Quelle sorte de bêtises vous faites? Oh, que les gens ils se plaignent parce qu'on fait du bruit avec les mobilettes. En fait, finalement, vous vous ennuyez? Oui. Ces images, on n'a pas l'impression que c'est tellement, comme on l'a dit trop souvent, la violence ou l'érotisme qui est recherché, plutôt la solidarité, c'est le fait d'être ensemble. Oui, je crois que le problème des loisirs des jeunes, c'est un problème de regroupement. Ils ont besoin de se regrouper entre eux, ils n'aiment pas être seuls, ils n'aiment pas tellement finalement rester avec leurs parents. Alors c'est en fait dans la bande qu'ils arrivent le mieux à vaincre cet ennui dont on parlait au début. Oui, la bande, pas tellement au sens péjoratif d'ailleurs. Thank you.
ce n'est pas farfelu, c'est simplement montrer une... aborder avec un autre regard la réalité à laquelle nous pouvons tous contribuer. Ce que c'est que l'amitié pour toi? C'est entre copains et copines, quoi. C'est comme un ménage. S'il y a quelqu'un qui est dans l'embarras, bon, on sort des difficultés. Comme on peut, on s'entraide, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est constituée la bande de copains? Moi, c'est plutôt parce que on a tous des mobilettes. Dans le même coin, alors
Ça fait qu'on sort tous ensemble. C'était bien, hein. J'aime bien le secteur parce que voilà, je connais pas, mais moi j'aime bien les gens qui persistent. T'as vu au bout de 10 fois, t'es arrivé. J'avoue. Bah, il y a eu plusieurs figures. Le terrain est difficilement quand même là. Ouais, là ça roule pas. Ça accroche, tu vois. Ouais, ça remonte, tu vois. C'est clair. Je suis pas un pro, tu vois. Ouais, on le voit. J'aime bien voir des choses beaux à voir, on va dire. Merci. Voilà. Vas-y, bah continue. Hein. Merci. T'as une bonne carte vitale au cas où c'est toi. Ouais, t'inquiète. Pour son muslim skate. Bah oui.
Ça va, ça va, ça va. 1, 2, 3. Sans rire. Vous restez le soir avec vos parents? Toi par exemple. Oh, moi jamais, je le soir. Jamais? Pourquoi tu aimes pas ça? J'ai toujours des discussions et. On s'accorde pas, c'est pas pareil, on a pas les mêmes idées alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père? Bah, je sais pas, moi, quand je lui dis j'aurais bien passé mon permis, un truc comme ça, il me dit non, t'es encore trop jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça alors. Terminé.